T'as vu? Oh là là. Ah, voilà, merci, Momo. Voilà. Je peux t'en prendre un pour la maison? Voilà, tu... C'est l'anniversaire à qui? C'est sérieux? Eh, voilà, c'est la dernière fois de ma vie, je mise la Formule 1. Voilà. Eh, tu mises sur la Formule 1? Ta daronne est finie à l'hôtel Formule 1. Voilà, mon... Les amis, est-ce que vous savez que pour être pilote de Formule 1, il n'y a pas besoin d'avoir le permis de conduire? Voilà, l'ardim, les gars, c'est pas incroyable. Oh, pilote de Formule 1, t'as pas le permis de conduire. Tu passes quoi alors? C'est incroyable. Wesh. C'est comme si tu me dis que Lormano Dou, elle n'a pas le brevet de natation. Voilà, arrêtez, les gars. C'est sûr que Lormano Dou, elle a le brevet de natation. Championne du monde, championne olympique. C'est bizarre, ça. C'est quoi ce rafut? Oh là, tu savais pas, avoue que tu savais pas. C'est la coupe, hein? C'est la coupe. Dégoûté, les gars, j'ai perdu mon pari. En plus, j'ai grave besoin de habbet. Il me faut des habbet. Oh là. Alors, les habbet, c'est les pépettes en arabe. Et c'est le mot le plus agressif qui existe au monde. Habbet. Oh là. Une meuf, elle me dit ça, je la quitte. Oh là. Eh chérie, je peux me dépanner des habbet, s'il te plaît? On dirait une insulte. Oh là, que c'est vrai, frère. Habbet. Voilà, big bet, big habbet, les gars. Non, les frères, faut que je me ressaisis vraiment. Le pire, c'est quand tu demandes le prix de quelque chose à un daron algérien. Voilà. Tu vois le daron, tu lui dis, oh, t'as acheté combien la Mercedes? 12 millions. Voilà. 12 millions. Il y a un E à la fin, million. Voilà. Et t'as acheté, et ta maison que t'as construite, elle t'est revenue à combien? 2 milliards. Non, mais en euros, ça fait combien en euros? 2 milliards. Voilà. Incroyable, impossible de savoir le prix. Il te parle qu'en millions. Voilà. T'as acheté combien la chaise? Voilà, 1 million. Au calme, il te dit. Les fumeurs de cigarettes, ils aiment trop dire aux fumeurs de chicha. Eh, est-ce que tu savais que quand tu tires une table de chicha, il y a 48 cartouches de cigarettes dans une. Arrêtez, les gars, de mentir, les gars. Arrêtez. C'est très bien que c'est faux. Voilà. Genre, une table de chicha, ça correspond à 40 paquets de clopes. C'est pas vrai, ça. C'est qui le bâtard qui a inventé ça? Voilà, c'est un jaloux, ça. Voilà. C'est un mec qui est jaloux des chichas. Il a ouvert une chicha, il a fait faillite. Du coup, il a lancé la rumeur. Oh là, c'est pas vrai, les gars. Oh là, la vie de ma mère. C'est que la coupe, hein. C'est que la coupe. Hop là. À l'air libre. Hey, Isaac, n'oublie pas. Si le prof te dit qu'est-ce qu'il fait ton papa dans la vie, tu lui dis il fait ce qu'il peut. Qu'est-ce que tu fais, frère? Ah, les amis, ce week-end, on a changé d'heure. C'est toujours la même chose le lendemain qu'on change d'heure. Tu te réveilles. Alors attends. Si d'habitude, je me réveille à 7h et qu'on a changé d'heure. Donc, du coup, on se lève à 8h, 8h, 7h, divisé par 2, par 4, retiens 6, le cosinus fois Pythagore, divisé par la tangente de pi fois la trigonométrie. Tu retiens 4 fois les probabilités exposant 2 divisé par racine carrée de 25 est égal à 5. Tu retires une heure. Dans une heure, il y a 60 minutes. Dans une minute, il y a 60 secondes. Tu vas d'une heure, tu reviens d'une heure. Tu pars sur le côté, tu reviens. Tu divises par 2. Tu fais un salto avant, un salto arrière, une pirouette. Et qu'on avance d'une heure ou qu'on recule d'une heure, de toute façon, nous, les chômeurs, on est des dormeurs. On s'en bat les couilles. Wow, là, on le remarque 2 mois après. La vie de ma mère. T'es là 2 mois après, il fait nuit à 22h du soir, t'es là, tu fais, ah, bah, bizarre, là. Après, il fait encore jour. Hein? Hein, chérie, il est 21h45, il fait encore jour. Ah, bébé, on a changé d'heure. Ah, ok, d'accord. je suis sur le cul, là, voilà. Ça te la coupe, hein? Ça te la coupe. Mais voilà, les gars, nous, les chômeurs, tu peux avancer de 10 heures. Voilà, mon frère. Tu peux avancer de 1 an, même. On s'en bat les couilles. On sait même pas, on est en quelle année, les chômeurs. Voilà, on s'en bat les couilles. On sait jamais les quels jours. Voilà. Il n'y a que le week-end. Nous, les chômeurs, on kiffe le week-end. Pourquoi? Parce que c'est le seul moment où on se sent comme tout le monde. Voilà. Tu croises les gens dans la rue, oh, ça va et tout, mais la semaine, ça fait chauffer la semaine. T'es chômeur la semaine, c'est grave, frère. T'es là en voiture, tu vois des petits sixièmes avec un cartable, eux, ils ont une situation et toi, non. Voilà, c'est grave, mon frère. Je vous dis ça, voilà, ça m'est arrivé hier. Voilà.
Je vois, il est 20h30, il faisait encore jour. Eh chérie, ah, chérie, je crois que c'est un signe de la fin du monde là. Comment t'expliques ça toi? Comment t'expliques ça? Hein? Tu crois à la fin du monde toi? Tu crois à ça? Tu vois pas, c'est un complot du peuple maya, le calendrier maya? Ben oui. Comme ça ils vendent plus de calendriers avec les pompiers et tout. Eh, moi j'attends juste PSG Bayern. Voilà, pour qu'on se marre un peu, la vie de ma mère. Après, les gens me disent, Momou, c'est pas bien, normalement, tu soutiens le club français, tu soutiens les Français et tout, les gars. Au Bayern, Lewandowski, c'est un Français, les gars. Robert, oh là, il s'appelle Robert. C'est Français, Robert, les gars, oh là. Moi, je suis derrière. Salam alaikum chef. Combien le robot piscine? 100 euros. Oh là 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 là. C'est quelle origine? Jésus. Elle a fini. Elle a kiff kiff. Voilà les gars. Magnifique un petit robot. Après Erwan, il y a son cousin Marwan les gars. Comment tu t'appelles? Geoffrey. Okay. Ouais. Moi c'est Jean-Éric. Tu viens d'où? Je viens de Bourgogne. Tu viens de Bourgogne? Ouais. Beau gosse.